En effet. Oui, j'en aurai encore besoin pour ce soir. Après ce paquet, tu ferais mieux de ne pas l'embiner. Bon, je suis en route pour le boulot et je serai de retour vers 18h donc. 22h serait idéal. Ouais, vrai. Ciao. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Déjà prête pour le boulot? Oui. Tu as bien dormi? Oui, bien. Enfin. Merci Dieu qu'ils aient donné la lumière aujourd'hui pour dormir. Même comme le ventilateur ne fonctionne Je sais maman. pas. J'en ai profité pour repasser tous mes habits de travail. Ça veut dire que je n'ai pas assez dormi. T'inquiète pas. Je vais me reposer quand je vais rentrer du travail. Je dois partir. D'accord ma chérie. Passe une bonne journée. Toi aussi maman. Sois prudente, ok? Au Bye. revoir, maman. Ouais, Bimpe. Oui. Donne-moi ce dossier. Bonjour, monsieur. Ah oui, bonjour, Tiens, comment tu vas? merci. Tenez, C'est demain. monsieur. Donne-moi l'autre dossier. L'autre dossier. C'est pas de ça que je parle. Dépêche-toi. D'accord. Bonjour, monsieur. Pourquoi es-tu en retard? Je suis vraiment désolée, monsieur. Cela ne répond pas à ma question. Je suis sortie de la maison plus tôt, mais le bus a eu un retard et. Il y avait beaucoup d'embouteillages. Toujours en train de donner des excuses. Toujours en train de donner des excuses bidons. Crois-tu que cet hôtel appartient à ton père? Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Même si on vendait chaque membre de ta misérable famille, ça ne pourra pas permettre d'avoir un endroit pareil. Monsieur, s'il vous plaît, allez-y doucement avec elle, non? Au fait, vous et moi savons qu'Hélène est très assidue lorsqu'il s'agit de son travail. Vous n'allez pas lui pardonner parce qu'elle arrive en retard une fois? Mais... Ah. Où est ton problème? Désolé, monsieur. Idiote! Enfin, je te trouve. Je t'ai cherché depuis. S'il te plaît, j'ai besoin d'une petite faveur. Toi et les faveurs, que veux-tu cette fois-ci? Je voudrais rapidement aller à Palocon pour récupérer quelque chose. C'est vraiment urgent. Peux-tu me couvrir, s'il te plaît? Combien de chambres? S'il te plaît. Juste trois. Hein? Trois? Non, je n'ai même pas encore terminé avec celle-ci. Tu veux me tuer? Mais non, je pourrais être là avant même que tu n'aies fini avec une chambre. C'est vraiment urgent. S'il te plaît. Ok. Ah? C'est pour ça que je t'aime tellement. Mm-hmm. Oui, oui. Parce que je fais le sale boulot pour toi, n'est-ce pas? Quoi? Quelle est cette chose qui t'amène au marché Bakolo cet après-midi ensoleillé? À propos, tu me prends les commentaires. Plus que toi?
Je vais te raconter à mon retour de toutes les façons. S'il te plaît, vas-y. Tu sais que le directeur n'aime pas voir ma tête. À ce sujet, je te dirai comment t'occuper de lui. Ce type-là, c'est un petit problème. Bimbi, oh. Tu vas m'attirer des ennuis, c'est quoi? Vas-y. Pardon, laisse-moi partir. Comme ça, je serai de retour avant que tu n'aies fini. Bye. Bye bye. Ouais. Salut, je m'appelle Bimpe. Enchanté de te connaître, Bimpe. Moi, je m'appelle Henry Okola. Je sais qui vous êtes. Ok, s'il te plaît, prends place. Bien, merci. Que pourrais-je t'offrir? Aimerais-tu... Oui, oui, bien sûr. Ok, je vais... Je peux me contenter juste de ceci. Oui, c'est bon. Ça? Je pourrais te prendre un verre. Ça va, ça m'arrange. Il faut dire que ce vin est fort. Tu en veux encore? Oui, pourquoi pas, bien ouais, sûr. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un bon goût. Ouais, c'est vraiment bon. Alors, que faisons-nous maintenant? Pas si vite. C'est une chose à la fois. Et si tu m'attendais dans la chambre, c'est au couloir, la première à ta droite. Lève-toi. C'est Bimpe. Ok, c'est l'heure de partir. Bimpe. Ah, juste comme ça? Je vais dire, ne fais-tu pas un suivi de la nuit dernière? Je ne fais pas de suivi, ok? Mais allons, je peux te faire un télé ce petit déjeuner. Marc, ne t'as donc rien dit par rapport à moi? Je ne fais pas de suivi et je ne fais pas de petit déjeuner le jour d'après. Ok, c'est juste du sexe et basta. Il faut y aller. Tout ceci pour moi? Ouais, ça c'est pour tous tes ennuis. Maintenant, si tu peux m'excuser, je dois m'apprêter pour le boulot. Vas-y. Ouais, madame a eu ce qu'elle voulait. Bonjour à tous. Oh, moi, s'il te plaît, j'avais la tête ailleurs. Je sais, ça se voit. De toute façon, j'ai quelque chose pour toi. Attends. Attends. Ah. Voilà. En aucun cas, je ne vais garder ton argent dans mon compte. Calme-toi, non? Je ne suis pas en train de te demander de garder mon argent dans ton compte. Et tiens, ceci c'est pour toi, c'est pour te dire merci pour toutes ces nombreuses fois que tu m'as couverte alors que j'étais absente. Hein? C'est pour toi. Pour moi? Oui. Attends un instant. Ah, qu'est-ce que tu comptes? Hein? 20 000 naira. 20 000? Bimpe, comment ça? Pardon, ne t'en fais pas. Maman. Oh, bienvenue. Merci, maman. Voici l'électricien. L'électricien?
Pourquoi? Pour le ventilateur. Oh, pour le ventilateur. Bienvenue, ouais. Mon fils. Bonsoir, madame. Tu manges encore? Tu sais que je n'aime pas manger à la hâte, donc. Je sais. En tout cas, quand tu auras fini, ferme les portes. Je vais dedans. Aussitôt? Maman, ne me dis pas que c'est parce que le ventilateur a été réparé que tu veux déjà dormir. Ma chérie, je ne veux pas mentir. Je veux aller profiter du ventilateur cette nuit. Merci, ma chérie, de l'avoir réparé. Apparemment, on vous a payé un peu plus tôt cette fois-ci. Je ne l'ai pas réparé avec mon salaire. Nous n'avons pas encore été payés. Et où as-tu pris l'argent pour ça? Bimbi m'a donné 20 000 naira. 20 000? Mais ce n'est pas Bimbi. Vous faites le même travail, non? Elle doit avoir un deuxième boulot. Je n'en sais rien. Wow! Ne penses-tu pas que je dois parler avec elle pour qu'elle t'introduise dans ce business aussi? Ça peut être une bonne idée d'avoir un autre business. Je pensais à ça aussi. Je vais lui demander. C'est à ça que servent les amis. Ok, ma chérie. Laisse-moi partir. Profite un moment. Bonne nuit. Hey, que crois-tu être en train de faire? La cuisine, bien sûr. Je veux dire, je ne sais pas pour toi, mais j'ai super faim. Et puis quoi? Tu te permets d'entrer dans ma cuisine et de commencer à préparer? Est-ce que cette maison ressemble à celle de ton père? Quoi? Pourquoi est-ce que tu es en colère? Ce n'est pas comme si j'ai commis une bêtise. Écoute, si tu sais ce qui est bon pour toi, sors de cette maison dans la minute qui suit. Pardon? Que fais-tu encore ici? Je t'ai dit, fous le camp de ma maison! Ah! Espèce de sans-cœur! Hey! Je ne finirai pas cette phrase si je tais-toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne? Pourquoi ne veut-elle pas comprendre? Va, tu prends toute la journée pour essuyer cet endroit. Bonjour, monsieur. J'ai fini de nettoyer les chambres. Ferme-la. Tu as toujours quelque chose à dire pour ta défense. Je ne suis pas une menteuse, monsieur. Tu viens de me répondre là? Monsieur, je vous en prie. Ne t'en fais pas. Je comprends. Je viens de comprendre ton message. Tu te fatigues déjà de ce travail. Non, monsieur, je ne me... N'importe quoi. C'est quoi ton problème? Pourquoi cette terre? N'est-ce pas ce directeur énervant? J'en ai vraiment marre de ces folies inutiles. Oh mon Dieu! C'est pourquoi tu es dans cette humeur, hein? Bien, dis-moi, Hélène. Tu veux vraiment dire que tu ne sais pas ce que cet homme veut? Que pourrait-il vraiment vouloir de moi? Ah, ok.
Non. Je ne ferai jamais un truc pareil. Toi et moi savons combien il est difficile de trouver un emploi dans cette ville. Si tu ne lui dis pas, tu vas finir par perdre ton emploi, oh. Je t'ai déjà dit. Attends, s'il te plaît. Quoi? Tu l'as fait? Bien sûr que oui. Bim, quoi? C'est pas difficile, non. Qu'il y a quoi, là? Mais pour moi, ça l'est. Ok. De toutes les façons, je dois me rendre à la chambre 308. C'est ton mais, ne me tente pas de répit. Voici sa chemise. On se verra plus tard, hein, madame. Donc, c'est ça. Écoute, mec, sérieux, tu devrais donner à ces femmes des règles avant qu'elles n'arrivent ici. C'est si grave que ça? Elles faisaient à manger dans ma cuisine le matin à mon réveil. Désolé, mec, désolé. Crois-moi, mais j'imagine que certaines d'entre elles veulent tenter les chances avec toi. Exactement mon point, ok? Elles doivent toutes savoir qu'elles ont une limite. Très bien. Je vais imposer les règles. Mais je n'en veux pas pourtant. Tu es l'un des célibataires les plus convoités de la ville. Ne penses-tu pas que... Hey, n'y pense même pas, ok? J'ai ma vie telle qu'elle est et je ne veux la partager avec aucune fille. D'accord, alors... aurais-tu d'autres plaintes? Non, qu'elles continuent de venir. Mais c'est le buteur. Le plus grand de tous. Je vais te donner ta raclée. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, j'arrive pas à trouver le sommeil. Je suis certaine que quelque chose ne va pas. Ton visage me dit tout. C'est juste que... ton père me manque. Il me manque tellement. Il me manque aussi beaucoup. Pourquoi il nous a abandonnés comme ça? Maman, arrête. Ne sois pas comme ça. Je t'en prie, arrête. Tu sais que papa ne voulait pas mourir. As-tu oublié qu'on m'a épuré quand il était malade? Papa ne voulait pas mourir. Il ne voulait pas nous laisser. Tu le sais bien. Je suis fatiguée de tout ça. Je veux juste qu'il revienne. Je suis fatiguée. T'en supplie. Où est ce jouet qui te sert de mère? Pardon, qui êtes-vous? Je n'ai aucune affaire à traiter avec toi. C'est avec elle que je veux parler. Affaire? Te voilà. Où est mon argent? Je pensais que je t'avais demandé un mois de plus. Ai-je donc accepté? Non, l'ai-je fait? Maman, qu'est-ce qui se passe ici? Ne t'inquiète pas, tu peux aller au travail. Hein? Oh, oh! Donc tu as même un boulot. Et tu ne payes pas les dettes de ta maman. Dette? De quoi parle-t-il, maman? Dis quelque chose. Tu lui dois de l'argent? Voilà. Bimpe, je te cherche partout. Ok, quel est le problème? Ça va? Tu sais, rien ne va. J'ai besoin de ton aide. Je t'écoute. C'est à propos de l'argent que tu m'as donné l'autre jour. Et qu'est-ce qui ne va pas avec? Comment l'as-tu eu? Tu as commencé une nouvelle affaire ou quoi? Ok, pourquoi tu me poses toutes ces questions? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai une dette que je dois payer de toute urgence. Attends jusqu'à ce qu'on nous paye, non? Je ne peux pas, car la dette est plus grosse que mon salaire. Ok, es-tu sûre de vouloir... Oui, peu importe, peu importe. Je suis vraiment désespérée. Dis-moi juste. T'es sûre? Ok, bien. Donc, c'est un nouveau boulot de toute façon. Parce que tu as besoin d'argent, tu as besoin de voir. Voilà. Laisse-moi tranquille. Je vais porter mon nu papillon.
va te prendre à partir d'ici, après le boulot. Ok? Je lui ai déjà donné ton numéro. Vous irez rapidement dans un hôpital où tu feras quelques examens. Test? Oui, le VIH et le reste. Oh, c'est pas vrai. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Ça, c'est pas du tout moi. Je sais, ma puce. En situation désespérée, solution désespérée, donc. Je ne suis non plus comme ça, mais... Quoi? Ce n'est non plus qui je suis, non. Ah. De toutes les façons, souviens-toi de tout ce que je t'enseigne. Alors, bonne chance. Ne dis pas ça. Écoute, ça ira. À ton retour, il faudra tout me raconter. C'est quoi? Tu vas attacher le pain. Mais où est-il? Tu m'as dit qu'il était déjà presque là. Bien, c'est ce qu'il a dit, mais je sais pas. Mais attends que je l'appelle. Ah. Mais c'est lui là-bas. Oh. Celui adossé à la voiture noire. Oui, c'est lui. Okay. Marc. Oh, salut la fille. Salut. Que s'est-il passé? Bonsoir. Oh, désolé, je devais m'arrêter à la station la plus proche pour prendre de l'essence. Ok. Marc, Hélène, Marc. C'est lui qui te donnera les détails, donc tu as besoin, ok? Ok, je peux te voir? Ok. Ah, viens. C'est la fille dont tu m'as parlé? Ouais, pourquoi? Parce qu'on a vraiment l'air de rien. Je n'aimerais pas que mes clients se plaignent. Ne t'inquiète pas, elle va assurer, il n'y aura pas de plainte. Tu m'as l'air sûr de toi. Je t'ai dit la vérité, non, elle va assurer. Oui. Très bien. Bien. Prends soin de toi, hein. On se verra demain, ok? Ok. Bien, au revoir, Mike. Allez, tout ira bien. Hélène, c'est ça? Approche. Tu fumes? Non. D'accord, monte. Non, papa, non. Ce n'est pas comme si je n'aimais pas te rendre visite. C'est juste que je suis très occupé. Tu vois, oui, j'ai été très surplombé par le boulot. Vois-tu, ça s'arrête jamais. Ouais. Non, je l'ai vu l'autre fois. Oui. Oui, d'accord, bien sûr. Papa, je te promets que je vais te rendre visite. Je te le promets. Oui, certainement. Je dois y retourner. Ouais, cette fois-ci, je le ferai. Prends soin de toi. Tu vas bien? Non. Je veux dire, oui. Finalement quoi? Oui ou non? Oui, je vais bien. Ok, alors voudrais-tu quelque chose à boire? Oui. Tiens. Merci. À la nôtre. Désolée, où est votre salle de bain? C'est là-bas. Deuxième porte à ta gauche. Je reviens. Oh.
Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Désolée. Comment font-ils pour supporter de l'alcool? J'imagine que ça pourra m'aider. Désolé, mais j'ai eu un appel très important. Dis-moi que c'est une blague. Waouh. Ok. Je veux juste aller garder la bouteille. Tu en veux plus? Ok. C'est vraiment cool. Tu veux te lever? Ça va aller. Merci. Je vais bien. Mm-hmm. Ça va, je vais bien. Tu vas bien? Oui, oui. Oui, bien sûr. Bien, bien. Laisse-moi t'aider. Ok. Oh! Tu as trop bu. Exagérément même. Ok. Tu t'es finalement réveillé. Non, je n'ai pas profité de toi, ok? Quand je fais l'amour aux femmes, elles sont sobres. Je ne l'ai pas fait. Va savoir. J'ai très mal à la tête. Ceci t'aidera. Si tu veux te rafraîchir, la salle de bain a tout le nécessaire. Je serai au salon.
Que veux-tu? En fait, je... Es-tu gêné par rapport à ce que tu veux me dire? Non. Alors parle-moi. Je ne mords pas, tu sais. Ok. Je suis prête à partir, mais je voudrais qu'on en discute si tu n'y vois pas d'inconvénient. Ok. Tu as toute mon attention. Je veux m'excuser pour la nuit dernière. Oh non, ça va aller. Tu n'as pas à t'excuser. T'es pas énervé? Non, je ne le suis pas. Je me suis vraiment amusé. Tu sais quoi? Tu devrais t'éloigner de l'alcool. En fait, je ne consomme pas d'alcool. Tout s'explique. Attends. Suis-je si moche au point que tu veuilles prendre de l'alcool avant de... Tu sais... Non, non, non. Loin de là, tu n'es pas moche. À vrai dire, tu es un très bel homme. Je suis en train de partir. Ok, écoute. Voilà. Oh, non, 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 je ne peux pas accepter. J'insiste. Mais nous n'avons... Je sais que nous ne l'avons pas fait, mais j'insiste. Si on l'avait fait, ceci aurait été assez ou plus. Merci. Bonjour. Bonjour. Hey yo, un instant. Hélène, où étais-tu? J'ai essayé de te joindre ce matin sans succès. Ta mère a été arrêtée. Pourquoi? Par qui? Un homme est venu ici avec deux policiers, man. Et à les entendre, on aurait dit que ta mère devait de l'argent. Ah, monsieur Sam. Tu le connais? Oui, mais il a accepté de nous donner jusqu'à la semaine prochaine. Diable, l'homme est mauvais. J'entendais juste d'être prêt à un point. Ils t'ont dit dans quel poste de police il emmenait? Attends, j'appelle mon bro. C'est lui qui a tout vu. D'accord? S'il te plaît, dépêche-toi. Oh mon Dieu, il a dit la semaine prochaine. Pourquoi fait-il cela? Hélène, qu'est-ce qu'il va pas? Tu as l'air épuisée. Oh, je suis au poste de police depuis le matin. Pourquoi? Henri t'a fait arrêter? Qu'est-ce que tu as fait? Cela n'a rien à voir avec Henri. Ok. Ma mère a été arrêtée. Oh, bon sang. Que s'est-il passé? Je te dirai tout, mais je voudrais d'abord m'asseoir. Je suis très fatiguée. Oh, ok, laisse-moi prendre ton sac, ok? Allons-y. Donc, c'est ainsi que ça s'est passé. Waouh! Tu as vraiment traversé un 24 heures terrible, hein, ma puce. Je ne te le fais pas dire. Ma mère ne m'a jamais dit qu'elle avait emprunté de l'argent pour l'enterrement de mon père. Ah. Je suis contente de l'avoir sortie de là. Mais je dois trouver un moyen de rassembler cet argent. Si tu ne t'étais pas saoulée la gueule la nuit dernière, tu aurais déjà cet argent en ce moment. Je sais. Et j'imagine que je dois trouver une autre option. Il n'y a plus de temps pour une autre option, ma chérie. Pourquoi ne pas exploiter celle que tu as déjà? Que veux-tu dire? Ok. Ne m'as-tu pas dit que tu as oublié ton téléphone chez Henri? Oui. Et Marc t'a demandé d'aller le récupérer. Mais je devais m'y rendre la nuit. Le directeur ne sera plus là. Oui, c'est bien ma puce. Mais rassure-toi qu'une fois là-bas, tu fais d'une pierre deux coups. Tu veux dire que je devrais vraiment le... Oui. Si tu veux vraiment te débarrasser de la dette de ta mère, alors t'as pas d'autre choix ma puce. Tu dois le faire. C'est vrai. Bimpi. Ah, c'est pas aussi difficile que ça, non. Tu peux le faire, tu es une grande fille. Hein?
qui a insisté que je vienne récupérer mon téléphone. Oh, ok. Il est là. Ok. Et... Donc... Alors... Vas-y en premier. Non, les dames d'abord. Ok. Je me demandais si tu es toujours intéressée à... Comme nous n'avons pas... Tu sais? Pourquoi crois-tu que j'insiste que tu viennes chercher ton téléphone? Tu lui as dit de faire ça? Peut-être. Ok. Pouvons-nous aller dans la chambre ou autre chose? Et qu'est-ce qui ne va pas avec cet endroit? Tu veux qu'on le fasse ici? Bien sûr. Mais je ne suis pas d'humeur. Mets-moi dans l'ambiance. Oh, ok. L'as-tu déjà fait auparavant? Non. Oui. Oui. Non. Et quoi donc? Pas pour de l'argent. Je ne l'ai jamais fait pour de l'argent avant. Et si je te dis que tu le fais pas pour de l'argent? Non, 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 non. Je suis désolée. Je ne peux pas. Attends. Tu peux pas rentrer maintenant. Il se fait très tard. C'est dangereux. T'inquiète pas. J'irai bien. Non. Si quelque chose t'arrivait, ce serait de ma faute. Tu peux pas rentrer. Alors, qu'est-ce que je dois faire? On peut bavarder. Et si tu prenais place? Merci. Tu veux peut-être quelque chose à boire? Non, merci. Je crois que je te dois des excuses. Pas vraiment. Je sais sur quoi je comptais avant de venir ici. Non, je veux dire, de toutes les façons... Ma mère a été arrêtée aujourd'hui à cause d'une énorme dette qu'elle devait. Et je dois rembourser cet argent. C'est voilà la raison pour laquelle tu devais... Oui. Pourrais-tu me faire une faveur? Quoi? Raconte-moi tout. Some say love is just like magic. You find it in the strangest place. Some say love is such a secret. How it works, you can't explain. Is it the way I feel about you? 'Cause every day just feels brand new. Now I know love is a miracle. I believe. I believe. I believe. Bonjour, maman. Oh, bonjour, ma chérie. Bienvenue. Merci, maman. Hein? L'argent que t'as emprunté chez M. Sam était 200 000 naira, n'est-ce pas? Oui. Tiens, voilà ça. Donne-le lui, comme ça on aura la paix. Hey. Comment tu as eu cet argent? Maman, je t'en prie. Je ne veux pas te mentir. S'il te plaît, pas de questions, ok? Je dois partir au travail maintenant. Mais je pensais que tu revenais du boulot. Bimpe m'a couverte la nuit dernière, donc je dois travailler pour elle aujourd'hui. Mais, si tu ne reviens pas du Comme je te l'ai dit, maman, je ne veux pas te mentir. Donne-lui simplement cet argent, ok? Ok. Merci. Was afraid, but I'll be okay.
Yo, Marc, j'attendais ton appel. Bon, je n'ai pas de plainte. Non, 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 je veux pas une autre fille pour ce soir, juste Hélène. Tu peux la fermer et faire ton boulot, ok? D'accord, frère. Allô, Monsieur Marc. Bonjour. Cette nuit? Non, désolée, je ne pourrai pas. J'ai du travail. Ah, c'est pas quelque chose que je pourrais faire. Je ne veux pas perdre mon travail. Hélène, es-tu certaine que tu n'aimerais pas perdre ton travail? Oh. Parce que la façon dont tu t'y prends, ça va arriver. Ai-je fait quelque chose de mal? C'est à moi que tu poses cette question. Désolée, Ça va monsieur, arriver. c'est que... T'inquiète. Ça arrivera. Mec, pourquoi tu pries autant de temps? Pourquoi tu pries autant de temps, hein? Où est Hélène? Elle a refusé de venir. Elle refuse de venir? Ouais. Pourquoi? Ezekiel a du boulot. Où travaille-t-elle? Dans un hôtel. Harry, je suis un peu confus là. Pourquoi tu t'es intéressé par cette fille? Je t'ai jamais vu comme ça. Hey, écoute, calme-toi, ok? Je suis pas amoureux de cette fille. Est-ce que j'ai parlé d'amour? Écoute, je crois que nous en avons terminé, c'est bon. Attends, 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 attends. T'as du Quoi? béguin pour cette fille? Oh! T'as du béguin pour elle, n'est-ce pas? Et voilà Hey, qu'Harry le voit est lâche-moi. amoureux. Écoute, je crois qu'on en a terminé, tu peux t'en aller. Hey, d'accord, calme-toi, calme-toi. Je t'ai rapporté une véritable bombe. Et crois-moi, tu ne voudras pas perdre celle-ci. Non, pas ce soir, je suis pas d'humeur. Ok, je suis pas Es-tu en train de dire que d'humeur. t'es pas amoureux d'Hélène? Mais ça quoi y voir ça? Ce gars. Ok, amène-la. Ouais, sale gosse. Donc, tu as encore dit non? Quoi, tu ne m'as pas dit, je t'aurais couverte. Bimpe, s'il te plaît, ne me dis pas que c'est le Oh. business qui t'amène chez moi. Où? Non, sérieusement, pourquoi tu ne m'as pas dit? Mais tu sais que je suis pas le genre de fille qu'on appelle, non? Tu le sais. La seule raison pour laquelle j'ai accepté tout ceci est que j'avais besoin d'argent pour rembourser la dette de ma mère. Le genre d'argent que le type allait te donner, hein? Mais il m'a donné de l'argent. Assez pour pouvoir payer la dette de ma Et mère. c'est énorme pour moi, si tu me le demandes. Dieu, pourquoi cette fille est ainsi? Hein? Regarde-moi, je suis tellement disponible, mais tu ne mets personne sur mon chemin. Mais le tien qui ne le regarde ni ne le considère, mais c'est quoi même? Hein? Regarde toutes ces formes, ne sont-elles pas entretenues? Quoi? Mimpé, Quoi? calme-toi. Hein? Laisse-moi tranquille. Calme-toi. Ne vois-tu pas Mimpé. combien je suis bien entretenue? Alors, pourquoi n'appelles-tu pas Marc pour lui dire que tu es disponible? Ma puce, tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Ce type ne va pas deux fois avec la même fille. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu ne comprends pas, je t'assure. Toi. S'il te plaît, que puis-je t'offrir à manger? Parce que moi, j'ai très faim. Ou tu préfères rester là à penser à Henri? Regarde, je viens te rendre visite. Regarde ce que tu me donnes, hein? Une simple bouteille d'eau minérale, tu n'arrives pas à m'offrir. Voici ce que Tu tu me sais que donnes. Je j'ai vais me pas tuer, non? d'argent, non? Tu Tu ne sais que veux je pas vais aller pas nous te chercher mentir. l'argent. Regarde comment toi tu brilles. Toi, on ne peut pas du tout te faire confiance. Waouh. Laisse-moi, Où c'est as-tu vu l'argent. ceci? Toi, tu dors au premier banc. Laisse-moi tranquille. Regarde tes chaussures. Regarde comment tu gaspilles ton argent. Puis-je vous aider, monsieur? Viens là, mon bébé, hein? Tu sais de quoi il s'agit, hein? Je pourrais t'aider. Où vas-tu comme ça? Où vas-tu? Tiens, je t'ai donné des indices tous ces derniers temps, tu vois. Mais tu ne t'es pas rendu compte.
Quel indice? Ne fais pas semblant, tu sais bien de quoi je parle. Je n'en ai aucune idée. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Je ne vais pas arrêter de te toucher et de sortir avec toi. Hein? Ok, t'inquiète. Allons dans l'une des chambres d'en haut et s'amuser. Allez, quoi? Viens là. S'il vous plaît. Non. Enlève tes sales mains sur elle. Fais-moi voir ta main. Oublie cela. Quoi? Tu ne parles plus maintenant? Que veux-tu que je dise? Un merci suffira. Je viens juste te sauver d'un violeur. Je n'avais pas besoin de ton aide. Je contrôlais la situation. Ouais, c'est ça, bien sûr, avec le dos mur. Je contrôlais. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? Est-ce le fait que je risque de perdre mon boulot à cause de toi? Tu es sérieuse là? Après ce qui vient de se passer, tout ce à quoi tu peux penser, c'est ton Pourquoi travail. Pas? Contrairement à toi, je ne compte pas sur l'argent de papa. Je dois bosser dur pour pouvoir poser la nourriture sur ma table. Pourquoi es-tu ici de toute façon? C'est pas important, c'était une erreur. Henri. Je dois m'en aller. Henri. Some say love is just like magic. You find it in the strangest place. Some say love is such a secret. How it works, you can't explain. Is it the way I feel about you? Cause every day just feels brand new. Now I know love is a miracle, I believe. I believe, I believe. That someday your love will find me, I believe. I believe, I believe. Hey, Marc. Oui, je vais bien. Non, je ne veux aucune fille pour le moment. Oui. Je te ferai part quand je changerai d'avis. Peux-tu avoir l'adresse d'Hélène? Non? Ok, merci. Oui, merci, s'il te plaît. Ok, on se voit au club ce soir. Bien. Écoutez, mes oreilles sont pleines. Oh. Il y avait tellement de commentaires à l'hôtel aujourd'hui. Hein. Aïe, il fallait que je sois là-haut. As-tu aussi appris que j'ai perdu mon travail? Ah, oui, je suis tellement désolée. Que vais-je dire à ma mère quand je rentrerai? Ne sois pas inquiète, hein? Tout sera résolu avant qu'elle ne revienne de son voyage, ok? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour quoi que ce soit, je t'assure. Pourquoi es-tu si confiante? Es-tu au courant de quelque chose dont j'ignore? Non, ma puce, s'il te plaît, souris, ok? Tout ira bien, ma chérie. J'ai vu le visage du directeur, hein? J'ai presque éclaté de rire. C'est toi qui m'as aidé, sinon je l'aurais fait. Ah, mais ton mec est un héros. Ah, Dieu. Ce n'est pas mon homme. Comment vais-je trouver un autre boulot? Hélène, arrête, s'il te plaît. Arrête. Tu sais très bien à quel point c'est difficile d'avoir un travail dans ce pays. Tout ira bien, je te le dis. Je suis là pour toi. Calme-toi. Salut, Hélène. Toi? Qu'est-ce que tu... Comment es-tu? En fait, ton ami a dit à Marc et Marc me l'a dit. Oh, Bimpé. Écoute,
Je ne veux pas passer une soirée avec toi si c'est pour cette raison que tu es... Non, c'est pas pour ça que je suis là. Alors, pourquoi es-tu là? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je n'arrive pas à penser à autre chose depuis que je t'ai rencontré. C'est pour ça que j'étais à l'hôtel et là aujourd'hui. Dis quelque chose. Que veux-tu que je dise? Nous sommes deux personnes différentes et je ne crois pas que je pourrais être avec un homme qui couche avec des femmes différentes presque tous les jours. Non, je n'en ai couché avec aucune depuis que j'ai fait ta connaissance. Aucune. Juste une, mais... Pour être clair avec toi, je ne peux pas. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire avec ça. Écoute, Hélène, je sais que je ne suis pas le genre de mec que tu veux. Je suis carrément l'opposé, mais s'il te plaît, donne-moi une chance. Donne-nous une chance. Perdu dans tes pensées? Maman, j'ai cru que tu allais avoir un sommeil lourd après ton long voyage de l'Écosse. Ne change pas de sujet. Je connais bien ce regard. Parle-moi. C'est compliqué. J'ai rencontré un homme. Je sais. Comment le sais-tu? Tu penses que je suis née de la dernière pluie? Je sais très bien reconnaître cette affaire d'homme quand je la vois. Alors parle-moi. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme que tu as rencontré? C'est une longue histoire. Et je ne veux pas te garder éveillée. Est-ce que je me suis plainte? Je t'écoute. Vas-y. Bien. J'ai réfléchi sur ce que tu m'as dit et je suis prête à te donner, nous donner une chance. Ça va si tu as changé d'avis. Merci. Merci beaucoup. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Promis. Ah. Qu'est-ce que tu as dans ta cuisine? Parce que j'ai très faim. Honnêtement, je n'en ai aucune idée de ce qu'il y a dans la cuisine. Tu ne fais jamais à manger? Eh bien... Viens. Tu veux cuisiner un truc? Oui. Vraiment? It's just like magic. You find it in the strangest place. Some say love is such a secret. How it works, you can't explain. Is it the way I feel about you? 'Cause every day just feels brand new. Now I know love is a miracle. I believe. Maman, voici Henri. Henri, voici ma ravissante maman. Bon après-midi, maman. Bienvenue. S'il te plaît, assieds-toi. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le cadeau que tu m'as envoyé. Je vous en prie. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Et merci d'avoir élevé une si magnifique femme.
Vous avez fait un si beau travail avec elle. Je l'apprécie déjà. J'approuve immédiatement votre relation sans aucune réflexion. Maman. Puis-je t'apporter à manger? Non, merci, ça ira. Merci. D'accord. Ça y est. Henri. Fais attention à la marche. Ok. Tiens bon. Ok. C'est bon. Ok. Voilà. Cette maison est magnifique. Elle est à toi? Non, c'est pas la mienne. C'est la tienne. La mienne? Oui. C'est une blague? Non, pas du tout. Je veux que maman et toi aménagez ici immédiatement. Henri. Oh mon Dieu. Merci. Merci beaucoup. Elle est très jolie. Je l'adore. Mais je t'en prie. Et je t'aime. Je t'aime aussi. Ah, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Désolée. Je ne suis pas encore prête. Ok, ça va aller. Je vais attendre jusqu'à ce que tu sois prête, ok? Ok, merci. Merci pour ta compréhension. Et merci pour ceci. Maman va adorer. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, bébé. Ah, ceci nous appartient. Voilà la salle à manger. Où vas-tu? Je reviens. Ok. Maman, j'espère que tu te régales. Ta nourriture est délicieuse. Je n'ai jamais cru que la vie serait aussi belle jusqu'à ce que je te rencontre. Et maintenant que je l'ai expérimenté, je veux plus que ça s'arrête. Je sais qu'on ne se connaît pas encore très bien, mais j'ai très oui, envie de toi dans oui, ma vie. Oui, Henri, oui. C'est oui. Ah mon Dieu. Je t'aime énormément. Quelle Henri. Merveille. Tu réalises dans nos vies, oui, oh Seigneur, je bénis je ton nom. Je t'aime encore plus fort. Maman, maman, regarde. Ça va aller, maman. Maman, arrête de pleurer. J'ai au mon roi, je bénis ton nom. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi. Mec, j'arrive toujours pas à croire que tu vas te marier. À croire que le miracle arrive encore, hein. Tu ferais mieux de le croire. mec, je voudrais que tu sois mon témoin. Vraiment? Oui. Oh, mais putain, tu me fais pleurer, mais... Fais pas sérieux, toi, t'es malade. bien, je suis pas le coureur du point que tu vas se marier. Hey, j'ai changé, je suis un mec différent, donc ne m'appelle plus ainsi. Ouais, c'est ça.
Si je te rapporte une vraie bombe, tu vas te mettre à chanter autre chose. Non, mec, tu es un homme différent. Je ne fais plus cela. Ça appartient désormais au passé. Laisse tomber, en Paris. Ma chérie. Raconte-moi, c'est comment t'es resplendissante. C'est qui le nouveau gars que tu trompes maintenant? Attends, laisse-moi tranquille, apporte la table. Je sais que tu trompes quelqu'un. Tu es resplendissante. C'est qui le nouveau gars? Hein? Pardon, ils en ont besoin. Ils se prennent la tête. Ils en ont besoin. Bébé. Dis-moi. Comment s'est déroulée ta visite dans cette maison? Quoi, pardon? Tu raconte. Tu veux pas finir ton jus? Je vais rentrer avec le reste. Pardon, raconte. Tout s'est bien passé. Mais j'étais un peu nerveuse. Pourquoi? Je n'arrêtais pas à penser à ce qui arriverait si son père ne m'approuvait pas. Ça n'aurait rien changé de toutes les façons. Henri t'aurait toujours épousé. Ce gars t'aime tellement et tu ne le sais même pas. Oh, c'est Henri. On devait être à l'hôpital aujourd'hui vers 15h pour nos résultats d'examen. Ah, je te souhaite tout le meilleur. Merci. Tes résultats seront parfaits, c'est toi, non? Tu es une très bonne fille. Arrête de tromper les gars de cette ville. Eh, pardon, va là-bas. Non, non. Laisse-moi leur raconter des histoires. La tête ne tient pas. Les résultats sont sortis. Et tout va bien. Chouette. Il y a juste un petit problème. Et cela vous concerne, monsieur Henri. Ça me concerne? Oui. De quoi s'agit-il? Pourrait-elle nous excuser pour un peu de temps? C'est une affaire personnelle. Docteur, cette femme et moi allons être unis comme un d'ici peu. Nous sommes déjà dans les préparatifs du mariage. Donc, si vous avez quelque chose à dire, faites-le. Ok. Si vous insistez. Monsieur Henri, vraiment désolé de vous annoncer que... vous êtes séropositif. Je crois qu'on devrait aller dans un autre hôpital pour une deuxième opinion. Nous ne pouvons pas être aussi sûrs. Non, cela risque de reprendre la nouvelle et je ne le veux pas. D'ailleurs, j'ai toujours fréquenté cet hôpital. Ils n'ont jamais fait d'erreur à ma connaissance. Il faut que j'y aille. Attends, Hélène. S'il te plaît, ne m'abandonne pas maintenant. J'ai besoin de toi plus que jamais. Je ne te quitte pas. Je dois diriger tout ceci. C'est trop de prendre tout d'un seul coup. Hélène. Tu ferais mieux d'ouvrir ta bouche et me parler. Car je sais que tu ne dors pas. Ok. Si tu ne veux pas me parler, je vais m'asseoir ici. Jusqu'à ce que je te décide de me parler et que tu arrêtes de faire semblant. Il n'y a rien à parler, maman. Comment je peux prétendre qu'il n'y a rien? Il n'y a rien comment? Tu passes ton temps à marcher comme si toute la terre entière était sur ta tête. Tu veux me donner l'hypertension? Tu sais que tu es la seule personne que j'ai. Qu'est-ce que tu me fais comme ça, hein? Tu ne manges pas, tu ne peux rien faire. Hélène, qu'est-ce qui se passe? Non, dis-moi quelque chose. Comment tu m'effrayes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Henri est séropositif. Mon bébé.
Pourquoi tu ne m'as pas dit depuis? Oh Dieu! Il s'est reposé. Oh, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, maman. Ne pleure plus. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça va aller. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu ne prends pas mes appels, tu ne réponds pas à mes messages. C'est quoi le problème? Attends, tu es ivre? Oh. Hélène. D'accord, qu'a-t-elle fait? Elle m'a quitté, mec. Que s'est-il passé? Elle m'a quitté. Elle m'a quitté. Ça suffit, hey, j'en ai assez bien. Hey, rends-moi la bouteille. C'est hors de question. Frérot. Et même si Hélène t'a quitté, est-elle la seule fille dans ce monde? Allez, frangin. Mais je te plains, mec. Oublie-la et va de l'avant. C'est là tout le problème, frère. Je peux pas aller de l'avant, c'est pas si simple. Et qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Alors comme ça, tu vas te suicider parce qu'Hélène t'a quitté? Frérot. Je suis séropositif. T'es quoi? Et quand l'as-tu su? Elle m'a quitté. De quoi est-ce que tu parles? De quoi est-ce que tu parles, mec? On devait se marier, elle m'a quitté. Hein? Je me sens si seul. Que le mariage a été mis en quoi? En stand-by, pourquoi? Aucune raison valable. Henri et moi avons juste décidé de prendre notre temps. Pour faire quoi exactement? Écoute, ce mariage doit avoir lieu parce que je le prépare depuis longtemps. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ah, c'est ton mariage? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Entrez. Salut. Ça, c'est la personne que je voulais voir. S'il te plaît, dis-moi, pourquoi la cérémonie de mariage est en stand-by? Oh, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Oh, ok, d'accord. Tu peux nous excuser, s'il te plaît. Ok, vous devez absolument trouver une solution à cela. Moi, j'ai déjà dit au... Le mariage. Ok. Pourquoi es-tu ici? Tu n'arrives même pas à me regarder en face. C'est si grave que ça. S'il te plaît, pas ça. Tu ne sais pas à quel point ceci est difficile pour moi. Comment? Hélène, c'est si difficile pour toi? Et moi donc? N'essaye même pas de me faire culpabiliser à propos de ceci. C'est pas de ma faute. Je ne t'ai jamais demandé de coucher avec tout ce qui porte une jupe. Tu as pris cette décision de ton plein gré. Je ne dis pas que c'est ta faute. Ok, j'ai déjà accepté cette punition pour tout ce que j'ai pu faire par le passé. Henri. Mais je n'ai qu'une question, Hélène. Et s'il te plaît, donne-moi une réponse. Veux-tu toujours m'épouser? Je ne sais pas. J'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. Ne dis pas, j'ai besoin de temps. Trois mois. Thank you.
Merci, madame. Merci. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous avez oublié ceci pendant que vous étiez à la caisse. Oh, mon Dieu. Merci beaucoup. Je suis tellement négligente quand il s'agit des téléphones. Voici le deuxième téléphone que j'ai acheté ce mois. Sérieusement? Oui. Faudra donc être très prudente. Ouais, je vais essayer. Merci encore. Je vous en prie. Excusez-moi. Vous m'avez l'air très familière. Ah, j'allais dire la même chose, mais je voulais pas paraître bizarre. École primaire, La Couronne. Oui. Attends. Es-tu Chioma? Oui, je suis Chioma. Oh mon Dieu, Chioma. Oh mon Dieu. Mais regarde-toi. Où étais-tu? Je n'ai ni sur Facebook, Instagram, Twitter. Comment ça? Je ne suis pas très fan des réseaux sociaux. Ok, pourrons-nous aller quelque part histoire de causer ou alors tu es pressée? Non, 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 je ne le suis pas. Il y a un restaurant de l'autre côté de moi. Donne-moi juste quelques minutes, je prends mes affaires. Okay? D'accord, d'accord. Merci. Wow. Chioma, regarde-toi. Regarde l'élégance. Je t'en supplie. Je vais rentrer avec celui-ci. S'il te plaît, dépose mon sac. Non. Jésus, regarde l'élégance. Wow. On dépose d'abord mon sac. Arrête d'être égoïste. Tu ne veux pas m'offrir ceci? Regarde comment tu es ravissante. Plus que moi d'ailleurs. Mensonge. Pourquoi me flattes-tu? Ah ah, qui te flatte? Chioma. Tu sais, non. Tu ne changes pas vraiment. Wow. Regarde-toi. Ça fait du bien de attends, te attends, revoir. Attends, attends, attends. Quoi de neuf? Dis-moi tout. Es-tu déjà mariée? Non. Je n'ai pas été très chanceuse avec les hommes. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur moi pour le moment. Oh, je suis vraiment navrée. Mais ne t'inquiète pas. D'ici peu, tu trouveras ton prince charmant. Amen. Ce amen est audible. Pourquoi es-tu ici? Parce que j'en ai besoin. Alors, quoi de neuf de ton côté, ma puce? Mon cas est compliqué. Ok. J'étais censée me marier le mois prochain, mais j'ai tout mis en stand-by. Pourquoi? Ah, chérie. Ça ira si tu n'as pas envie d'en parler et désolée d'avoir demandé. Ça ira. Tu ne devrais pas. Ça serait mieux de demander conseil à quelqu'un qui n'est pas proche de moi. D'accord. Alors parle. Regardez celle-là. Tu ne vas pas arrêter avec et tes mains alors. Chioma, tu étais très méchante à l'école cette année, pas vrai? Chaio! Regarde-toi. Hélène, toi-ci. Tu étais calme, on croyait que tu n'étais qu'une sainte. Ne le suis-je pas? Tu as oublié ce que tu avais fait à ce gars? Pourquoi a-t-il fallu que ce soit Hélène? Pourquoi? Pourquoi? Oh mon Dieu, que dois-je faire maintenant? Signez ici. Ok. Ce sera tout? Oui, madame. Bonne journée. Merci. À vous aussi. Ah. Pourquoi est-ce que Chioma m'envoie une lettre?
Harry n'est pas séropositif. Je travaille dans le laboratoire de l'hôpital où vous avez eu ces tests. J'ai falsifié les résultats pour donner une leçon à Harry. Il y a assez longtemps, j'ai eu liaison avec Harry. Je suis tombée enceinte, mais il a nié. Et j'ai opté pour un avortement. Pendant la procédure, j'ai détruit mon utérus. Ça a été le moment le plus difficile de ma vie. Je me suis sentie tellement coupable quand tu m'as raconté ton histoire au restaurant. D'où ma raison de t'envoyer ce mot. J'espère que Harry et toi allez continuer avec les préparatifs du mariage. Je t'en supplie, cherche une place dans ton cœur pour me pardonner. Et ne te dérange pas à me chercher parce que je quitte la ville. Ton ami, Chioma. Harry! Harry! Non! 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 Harry, regarde! Regarde! Je n'ai pas un séropositif! Non! Regarde! Réveille-toi, s'il te plaît! S'il te plaît, réveille-toi! Non! Non, Harry! Oh! Non. Oh, mais je sais. Regarde. Je n'ai pas séropositif. Regarde. Je suis désolée. Je t'aime. Je suis désolée. You can't explain.